Yo les humains, welcome back to my channel. Aujourd'hui, on se retrouve pour un super vlog. On va aller faire des achats pour la rentrée scolaire. Ça fait 5 minutes que j'essaye de faire l'intro en fait, parce qu'il n'y avait que des gens qui rentraient dans le bâtiment. Donc j'étais obligée d'attendre qu'ils partent. Depuis que je suis rentrée des vacances, je ne suis pas sortie dehors. Waouh, je redécouvre. Ah, et en plus, je me retrouve avec des écouteurs filaires parce que le micro de mes AirPods, il fonctionne pas. Et là, c'est trop bien parce qu'on m'entend trop bien alors que je suis dehors, alors qu'avant, on entendait que le vent là et tout. Voilà. Donc on va faire un tour à Primark. Regardez un peu ce qu'il y a, hein, si vous avez envie de venir. Ok. Oui, c'est devenu cher Primark. En fait, je ne sais pas ce que je cherche exactement. Il n'y a toujours rien dans mon panier. J'espère que je vais aimer des choses quand même parce que là... Des fois, on vous demande de venir en tenue professionnelle. Alors, il est très important d'avoir une tenue très, très professionnelle, même si ce n'est pas votre style. On ne sait jamais comme ça, au cas où, quoi. Ce n'est pas quelque chose que vous allez porter tout le temps de toute manière. Bye. J'ai enfin mis quelque chose dans mon panier. En fait, il n'y a pas beaucoup de choix ici, hein, à Primark. Peut-être qu'on aurait dû aller à H&M ou à Kiabi. On va essayer de prendre des pulls simples comme ça, pas des suites. En fait, là, je cherche mes sœurs. Je ne la trouve pas. Où elle est? Donc, j'ai pris... Là, pour l'instant, j'ai pris 3 articles. Je vais encore chercher, mais il n'y a pas vraiment de trucs que j'aime ici. Et moi, je prends vraiment le strict minimum. Genre, je ne suis pas du genre à surconsommer. Voilà, on a fini d'acheter. Oui. Je crois que je vais vous montrer après, mais sinon j'ai fini d'acheter. Voilà. Non. J'aime pas l'été. Hein. Ok, donc je vais vous faire le petit haul et je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Primark. Et aussi, je vais vous montrer un colis Shein que j'ai reçu. Je sais même plus ce que c'est. Alors en fait, je me suis acheté un pull comme ça, il est super beau, regardez, et en plus la matière elle tient super chaud, donc ça veut dire que ça serait plus pour l'automne et l'hiver quoi. Enfin normalement je me serais acheté des suites à capuche, mais en fait je n'ai que ça, j'ai que des suites à capuche en fait, et c'est rare que j'ai des pulls, vous voyez, comme ça, qui font bien habillés sans trop être bien habillés, mais qui font aussi bien habillés plutôt que des suites à capuche, donc j'en ai acheté comme ça. Donc maintenant je vais m'acheter plus de pulls comme ça vu que j'ai beaucoup de suites à capuche. Là je pense que c'est la première fois que je m'achète un truc comme ça. Donc j'ai acheté une chemise. Est-ce que ça s'appelle comme ça même? J'ai tellement pas l'habitude d'acheter des trucs comme ça que je sais même pas si c'est comme ça que ça s'appelle. J'ai pris la taille S parce qu'en fait la taille est déjà grande, donc j'ai pris ma taille cette fois. Et vous aussi pour la rentrée, si vous passez au lycée ou si vous rentrez en troisième, il est très important, même si vous mettez que des suites à capuche et tout ça, comme moi par exemple, il est très important d'avoir au moins un vêtement assez classe dans votre dressing, parce que vous aurez des oraux, surtout au lycée vous allez avoir beaucoup d'oraux. Des fois il y a des professeurs qui exigent des tenues professionnelles, alors, et en plus moi j'en avais même pas, donc je devais demander à mes soeurs de me prêter des habits. Moi j'aime pas demander à mes soeurs de me prêter des habits, c'est eux qui me demandent, pas moi, mais j'ai dû leur demander, donc voilà, je me suis acheté comme ça, je serai pas obligée de demander aux gens. J'ai pas pris grand chose parce que déjà après moi il n'y avait pas beaucoup de trucs que j'aimais bien. J'ai pris les débardeurs, donc vous voyez les débardeurs qui collent à la peau, et cette fois j'ai pris ma taille, regardez. Donc on passe du M au 2XS. Ok. Donc j'en ai pris 2 de la même couleur. Voilà. Comment ça coûtait pas cher, 2,50€. Et ensuite je me suis pris, déjà je vous dis direct, la taille c'est du XL. Je vous dis comme ça parce qu'à chaque fois j'oublie de dire, de mentionner les tailles. C'est une espèce de gilet
à laine. Genre c'est un peu la même matière que l'autre. En plus j'ai une idée de tenue que je pourrais faire. Regardez, je mets ma chemise. Non, c'est pas possible. Quelle blague. Donc en fait j'avais dit que je voulais mettre ma chemise et par dessus rajouter ça. Vous voyez le col de la chemise, il va un peu sortir ici. Et genre ça va faire trop beau. Maintenant sur Shein j'ai reçu un colis. J'avais commandé un petit sac comme ça. Par contre il est très petit. Je m'attendais pas à ce qu'il soit petit comme ça. Enfin je m'attendais à ce qu'il soit petit. Il n'est pas petit comme ça. Dedans je peux mettre mon téléphone. Enfin. Ah en fait à l'intérieur c'est grand déjà. En fait ça va. On peut pas mettre grand chose, mais ça va quand même. Regardez. Un petit sac comme ça. À l'intérieur, il y a le truc. Comme ça, tu peux le porter en mode sacoche. C'est le lendemain. Enfin, je sais pas. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram parce que j'ai mentionné mon Instagram dans mes deux dernières vidéos et je suis choquée, vous vous êtes vraiment abonné, c'est trop bien, merci. Donc là en fait je vais aller à Carrefour pour acheter le reste de mes fournitures scolaires parce qu'en fait il me manque des feuilles et des crayons à papier parce que j'en ai pas en fait. Donc du coup voilà, on va à Carrefour, let's go. Je viens d'arriver et dans les caisses, vous voyez les caisses où on fait tout seul, les caisses rapides, bah en fait il n'y a pas beaucoup de monde là-bas donc je vais vite prendre tout ce que j'ai à prendre. Comme ça, il n'y a pas de queue en fait. Voilà, ça c'est des feuilles simples, ça coûte 5 euros quand même. Hein. Wow, ils sont trop beaux les sacs à dos. Je vais m'en prendre un je pense. Là il me manque des crétariums. Là je suis dans les rayons où il y a les crayons. Ah, les crétariums que je prends d'habitude, c'est ceux-là. Regardez le code couleur. Mais bien évidemment qu'on va aller voir les agendas. Attends, je crois que j'ai mal vu là. Mais c'est moche. C'est quoi ces agendas moches? Avant ils étaient beaux les agendas. On est d'accord que dans les années 2018 et tout ça là, il y avait des beaux agendas à Carrefour. Là c'est horrible, c'est hideux. Regardez, j'ai pris ça. Trop bien. Les humains, on est en vrai de Carrefour, donc maintenant je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai pas acheté grand chose, donc si vous voulez voir ma vidéo fourniture scolaire, je vais vous la mettre dans le i. Parce que j'avais déjà fait une vidéo fourniture scolaire et il me manquait des choses et du coup là j'ai acheté ce qui me manquait. Du coup, j'ai pris ces crétariums là. Après, je me suis pris deux cahiers. En fait, je sais pas si on aurait besoin de cahiers parce que au lycée, déjà, j'en avais plus beaucoup besoin. Donc, du coup, en fait, j'ai juste acheté seulement deux cahiers. On sait jamais au cas où. Donc, un je l'ai, ma couleur préférée. This is my favorite color. Ah, je vais finir ma vidéo en parlant anglais. So, anyway. Ah, ça bug déjà. Là, j'en ai pris un. Genre, c'est un gris transparent. Enfin, c'est gris transparent à peu près. Bah, j'avais dit qu'il me manquait des feuilles. Donc, du coup, j'ai pris ça. Par contre, je sais pas si ça fait un siècle que je suis pas allée à Carrefour ou si j'ai raté une saison entière ou plutôt une série. Mais comment ça se fait que ça coûte 5 euros? Ça coûtait pas 5 euros l'année dernière, à ce que je sache. Ensuite, j'ai pris un classeur comme ça. Voilà. Donc si vous avez un trieur, achetez un classeur comme ça. Vous pouvez vider votre classeur et bien trier vos cours à l'intérieur. Après, moi j'ai pris des intercalaires, ça va avec. Donc voilà les amis, ma vidéo est tous à chaque fin. Je sais que vous êtes trop tristes parce que c'est la fin de cette vidéo, mais pas de panique, vous pouvez aller regarder toutes les vidéos de ma chaîne. Et puis je sais, c'est ça la solution. Big brand. Si t'es pas abonné, bah abonne-toi à ma chaîne. Suis-moi sur Instagram, sur TikTok aussi, parce que j'ai 8000 abonnés quand même sur TikTok. Alors venez. Ok, plus on est de fou, plus on est. Au revoir.